surtout celui de nos téléspectateurs, nous avons choisi deux nouvelles speakerines. Elles ne dépendent pas de vous, elles dépendent de nous. Elles s'appellent Fabienne Égal et Martine Baugé. Bonjour mesdemoiselles. Oui. C'est la première fois que vous êtes sur un plateau de télévision. Oui, oui. Impressionnant. Vous êtes impressionnée? Oui, la première télé, c'est dur. Oui. Ah oui. Comment vous sentez-vous dans votre peau de speakerine? D'abord, vous vous attendiez à cela? Comment ça vous est venu à l'idée? Par une annonce. Par une annonce. Une annonce et... Moi, personnellement, vous connaissiez toutes les deux? Non, absolument pas. Non. On se connaît depuis 2 jours, très exactement. Mais comme on est dans la même situation, le contact a été assez vite établi. Vous étiez étudiante? Oui, toutes les deux. Vous le restez ou pas? Oui. Mais nous espérons pouvoir le rester, surtout. Oui. Vous êtes étudiante en quoi? En espagnol. Vous espérez en faire une carrière longue ou vous avez des ambitions cinématographiques ou théâtrale? Pas forcément cinématographique, mais enfin, moi, j'avais l'intention de faire des relations publiques et oui. Je n'ai pas trouvé de travail dans les relations publiques. Ah, vous savez, là, c'est l'idéal, quand même. Donc, là, pour moi, c'est vraiment le bain, le bain de foule. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. J'ai le plaisir, ce matin, de vous présenter pour la première fois le programme de TF1. J'espère que vous serez indulgent. Vous allez voir tout de suite « Réponse à tout » de Henri Kubnik. Puis, à 11h55, « Philatélie Club », émission de Jacqueline Cora et Jacques Mancier. À 12h30, nous retrouverons en direct du MIDEM de Cannes Daniel Gilbert et ses invités pour Midi Première. Maintenant, vous allez rester avec nous, je l'espère, d'autant que nous vous proposons cet après-midi un programme varié avec, par exemple, « Objectif Santé »,« L'armoire à pharmacie », le dernier épisode du Secret des Flamands et aussi des variétés avec Catherine Lara et Dick Angard. Et c'est le journal de Julien Besançon qui terminera la soirée à 22h25, une soirée qui commence avec un film drôle au titre très sympathique. Faites donc plaisir aux amis. Le facteur part en tournée. À 18h55, si vous suivez le feuilleton Le Renard à l'Anneau d'Or, n'en manquez pas le 5e épisode. Et Anne-Marie Pesson, elle, aujourd'hui, va vous parler du guide des femmes seules, chefs de famille. Et ceci à 19h10, dans la Minute pour les femmes d'Eliane Victor. À part ça, la semaine dernière, c'était la grève, donc il n'y a pas eu d'émission.